Ben, faut tirer. Faut tirer. On va recommencer. Là-bas. Ça y est ? Oui ! C'est Maître Colin, vous le reconnaissez? Viens me donner un coup de main, Mathilde se trouve mal. Nous étions en train de répéter une scène de ma nouvelle pièce. C'est un revolver de théâtre, ça rien dit, elle a... Mathilde, Mathilde, allons. Venez, Mathilde. Tu vois où ça nous mène ta petite expérience? Attends. Attends. Viens là. Mets-toi. Là. Là. Mathilde, rendez-vous. Mathilde. Allons. Mais enfin, pourquoi monsieur m'a-t-il pas prévenu que c'était pour rire? Mais c'était pas pour rire, je vous répète que c'était pour travailler. Enfin, c'était pas vraiment vrai, quoi. Voilà. Parce que moi, vous avez bien failli me faire mourir pour de bon. Mais votre réaction a prouvé que cette scène produisait exactement l'effet que j'en attendais. Je suis content, j'entends. Ben moi aussi, alors. Comment te sens-tu? Comment vous sentez-vous? Mieux. Enfin, je préfère retourner à ma cuisine. Non, elle est coincée, là. Si monsieur a de nouveaux cadavres dans sa nouvelle pièce, qu'il me fasse savoir d'avance. Ça va. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon début? Mais mon vieux, je ne sais pas, moi, je trouve pas ça très bon. Non, écoute, puisque tu me demandes mon avis en tant qu'avocat, je vais t'en donner un en tant qu'ami. Tu es un auteur comique à succès, marié à une ravissante comédienne qui joue merveilleusement tes pièces. Mais alors, dans le genre policier, tu es... Mais mon histoire, qu'est-ce qui ne va pas dans mon histoire? Bon, alors, en premier lieu... Pourquoi ton héros descend-il ce bonhomme? Parce que c'est un salaud. Alors, s'il fallait descendre tous les salauds à coups de revolver... C'est un salaud doublé d'un maître chanteur. Mon personnage a été obligé de payer une première fois. Ensuite, il a payé une seconde fois. Oui. Et maintenant, le maître chanteur... Non, je comprends pas ce que tu dis. Quoi? Maître chanteur... Le double. Ah. Alors, comme mon pauvre personnage n'a pas les moyens de payer, il lui faut tout vendre. Faut vendre tout, faut vendre ça là-bas, faut vendre ça, tout va partir, y a plus que le lustre. Ça te met dans un drôle d'état de vouloir écrire une pièce policière. Alors, il fait semblant d'accepter de payer. Oui. Donc, et... Oui. On va là-bas. Le maître chanteur arrive de là, comme toi tout à l'heure. Oui. Il vient là, et quand il est là... Pampan, tu tues. Comment ça, Pampan, tu tues? Pampan, tu tues. Pampan, tu le tues. Non, mais tu vois, ce qui m'ennuie dans ton histoire, c'est que ton héros doit avoir quelque chose de grave à se reprocher. Et justement, non. Car il s'est fait coincer bêtement dans une histoire où, en réalité, il n'est pour rien. Mais alors, pourquoi ne va-t-il pas expliquer son cas à la police? Parce qu'il ne peut pas. Et le public ne saura pas pourquoi. J'y tiens pas. Bon, eh bien alors, mon petit vieux, téléphone-moi quand ton truc sera un petit peu plus au point, hein. Ciao. Enfin, bonsoir, qu'est-ce qui cloche dans mon histoire? Mais tout, mon vieux, ton héros va finir sur l'échafaud. Ah, mais il peut pas, il ne peut pas être pris. Pourquoi, il réussit dans le crime parfait? En quelque sorte, oui. Tu as un seau d'eau? Un seau d'eau? Bah oui, pour laver le sang sur ton tapis. Oh, ah ben, merci. Voilà. Évitez. Merci. Évitez sans tapis. Voilà, et puis évitez aussi les hurlements de la bonne. Ah, la bonne. La bonne, entre parenthèses, évitez hurlements. Voilà, et bien au revoir, mon petit vieux. Hein. Voilà. Oui. Il y a aussi un moyen pour réussir un crime parfait. Oui. C'est de faire disparaître définitivement le cadavre. Parce que tant qu'on n'a pas retrouvé le cadavre, on ne peut pas prouver qu'il y a eu crime. Ah, mais oui, c'est vrai.
Eh oui, merci. Merci. Attends. Attends. J'ai pensé, si je le flanquais dans l'eau. Non, mais tu oublies qu'en se décomposant, le corps gonfle et remonte à la surface. Ah, ben j'ai pas pensé à ça. À moins de lui ouvrir le ventre avant de le flanquer dans l'eau. Ah. De bas en haut. Là. Écoute, alors là, une bonne chaudière. Est-ce qu'il a des fausses dents? Je sais pas. Parce que dans le feu, elle ne se consume pas toujours. Ah, ben ça me paraît très difficile. Oui, allez, au revoir, mon vieux. Monsieur Brisbane! Monsieur Brisbane! Alors, avez-vous réussi à convaincre votre femme de vendre la propriété? Eh bien, vous savez, c'est pas comme ça. Vous avez quelqu'un? Oh, oui, Monsieur Grinder, un riche industriel. Oui, sa femme a tendance à boire un peu, alors il cherche une propriété isolée afin de la faire soigner à l'abri du camp d'Iraton. Oui. Alors, nous pouvons venir visiter. Eh bien, vous savez, il faut pas que ma femme le sache. Oh. Alors, venez le soir quand elle est au théâtre, quand elle joue au théâtre. Ah bon? Le téléphone, excusez-moi. Oui, encore un qui se laisse mener par le bout du nez. Allô? Monsieur Brisbane. Oui? J'ai l'impression que vous m'oubliez. Ah, ne croyez pas ça. Au contraire, je pense à vous sans arrêt. Vous avez pris une décision? Oui, ça, je peux pas. Ça, pour l'instant, je peux pas. Pourquoi? Enfin, je peux pas vous dire pourquoi je peux pas. Je vous donne 48 heures. Dernier délai. Vous êtes très aimable. Je vous rappelle. Au revoir, cher monsieur. Moi, à la place de monsieur, je serai enthousiasmée. Oh, fichez-moi la paix, vous! C'est un joli cadeau. Même un gros cadeau, oui. Fichez-moi la paix! Et tu ne devineras jamais où j'ai trouvé cette gloriette. Dans le puits de Dôme. Dans le puits de Dôme? Dans le puits de Dôme. Et oui, dans le puits de Dôme. Foutez-moi le camp, là! Mais je ne pourrai jamais payer tout ça, jamais! Oh, mais n'oublie pas que c'est un placement et que cette petite dépense donnera beaucoup de valeur à l'ensemble de la maison. Et ça va me coûter combien, cette petite dépense? Oh, j'ai fait une affaire. 250 000. Quoi? Sans les fondations. Quoi? Il faut que je me change. Il faut que j'aille au théâtre. Bonne fête, mon chéri. Bonne fête, monsieur. Mais pourquoi suis-je le seul homme au monde dont la femme a acheté un kiosque? Monsieur Brisbane! Monsieur Brisbane! Oui. Avec madame Brisbane, pour les fondations, on avait parlé de 250 000 francs. 250 000 francs? Non, mais pour vous, je rabattrai à 248 000. Alors là, vous faites un effort considérable. Considérable. Et ne vous inquiétez pas pour le paiement. Hein? Avec mes quatre hommes, on vous creuse un trou d'environ 50 à 60 cm de profondeur sur toute la surface. Et demain, je vous coule un bon petit ciment rapide pour poser le kiosque dessus. Et de la façon dont je travaille, monsieur Brisbane, ces fondations seront encore intactes dans 200 ans. Non, mais dites-moi, dans 200 ans, je ne peux pas être là pour vérifier, non? Dans 200 ans? Dans 200 ans. Monsieur Tony Lottie, est-ce que vous pourriez me jurer que le trou peut être fait ce soir? Ce soir, dans 200 ans. Quoi, ce soir pour 200 ans. Et ce soir, le trou est là. Bon, je peux compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Parole de Tony Lottie. C'est la parole de Tony Lottie. Alors vous vous y mettez tout de suite. Tout de suite. C'est d'accord. Hé, allez, on prend main. Alors, monsieur Joe? Oui. Antoine Brisbane à l'appareil. Alors? Je me suis débrouillé. Ah. Je croyais ne pas pouvoir et puis j'ai trouvé. Combien? J'aurai exactement ce qu'il vous faut. Mais alors exactement ce qu'il vous faut. Quand et où? Alors comme la dernière fois. 9h chez vous? 9h et je laisse la porte entrouverte. Voilà, à ce soir. Au revoir, monsieur Jour. C'est fait. Tout est arrangé avec monsieur Tonelotti. Et après-demain, tout sera fini. Mais j'ai pensé, oui. Pour faire une économie, il n'est peut-être pas nécessaire de creuser des fondations. C'est indispensable, les fondations. Et puis des grosses fondations, d'énormes fondations. Viens, regarde. Regarde. Quoi? Voilà. Là-bas. Oui. Monsieur Tonelotti va nous couler un bon petit ciment pour qu'il soit dur le lendemain. Oui. Et vendredi, nous allons fêter la gloriette, plus
la 500e de ta pièce avec tous tes camarades en costume de scène. Oh, toi, tu es génial. Merci, mon chéri, je vais finir de me préparer. J'arrive. Bon, je descends. Qu'est-ce que tu fais dans le jardin? J'étais en train de creuser une idée pour ma nouvelle pièce. Voilà. Ah. Tu m'accompagnes au théâtre? Ah, ben justement, je peux pas. Oh. Tu m'en veux? Non, mon amour, il faut pas interrompre l'inspiration d'un grand auteur. Je me sauve, je vais finir par être en retard. À ce soir. Dis-moi, Sylvie. Oui? Dis-moi, Sylvie, si quelqu'un essayait d'entraver notre bonheur, ou bien si quelque chose était susceptible de nous séparer... Mais rien ne peut nous séparer, mon ange. Promets-moi que nous lutterions la main dans la main, ma petite Sylvie. Mais bien sûr. Comme tu es sérieuse ce soir, c'est ta nouvelle pièce qui t'influence? Peut-être bien. Moi, dans le genre policier, c'est... Ça ira très bien, tu verras. Et ce soir, quand je rentrerai, je suis sûre qu'il y aura un cadavre. Le terrassement, c'est fait. La soirée à la bonne, c'est fait. Entre-ouvrir la... Quatrièmement, se munir d'un revolver. Quatrièmement, le revolver. Voilà. Cinquièmement, éteindre les lumières. Voilà. Sixièmement, je ne vois plus clair. Oh, oh. On aurait dû mettre le septièmement avant le sixièmement. Dans le noir. Comment, qu'est-ce que je fais dans le noir? Tu te sens pas bien? Si, si, je me sens très bien, très bien. Ah bon, je vais être terriblement en retard, j'ai oublié mon maquillage. Sylvie! Quoi? Est-ce qu'on s'est embrassé tout à l'heure? On s'est embrassé tout à l'heure, mais on peut recommencer si tu veux. Ah oui, je préfère. Tu n'oublies plus rien? Ah non, plus rien. Tu n'as plus à revenir ici? Ah bah non, je crois pas. Au revoir, Macaille. Au revoir, mon canard.
Je ne peux pas, je ne pourrais pas. Je préfère payer. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, t'es là. Ah ! Hé ! Mais non ! Mais non ! Fallon ! Mais non ! Hé 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 ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Allez, oh, oh ! C'est fini ! Ah ! Ah ! Monsieur travaille encore ! Vous n'êtes pas allé au cinéma ? Mais j'y allais ! Le revolver de théâtre, boum boum ! Bonsoir, maître Collin. Bonne continuation, hein. Monsieur Prisma ! Monsieur Prisma ! Oh, il est arrivé un malheur ! Mon Dieu, quel malheur ! Et là ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je m'amusais. Dans cet accoutrement ? Vous m'avez pas entendu appeler ? Hein ? Oh, c'est abominable ! Avec cette obscurité, Madame Grindère est tombée dans le trou ! Mais qu'est-ce qu'il va foutre dans mon trou ? Moi, j'ai besoin de mon trou ! Bah, allez, vous la mais c'est mon trou, allez, ça allez, pourquoi elle est tombée dans le trou ? Comment ? Je comprends pas. Tite-tite ! Monsieur Prisma. Now, my darling, do relax. Here we are. Now, let me. Is it better? Yes. I'll make a bit of a look. Let me open this up a little bit. You breathe much better. You sweet little thing. Now, oh, that little. Oh, sweet. Oh, my Oh, monsieur Grindère, votre chapeau. Monsieur Brisbane. Oui. Je peux faire visiter. Non, on visite plus. Mais c'est fini. Non, c'est possible. Allez-vous-en. Mais écoutez, maintenant, c'est monsieur fini. Brisbane, allez-vous-en. Vite. Vite. Monsieur Brisbane, de quoi ai-je l'air, hein? De quoi ai-je l'air? Ne me forcez pas à vous répondre. You understand what you said? Not quite. Tant mieux. It's better. Voilà. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur Brisbane. C'est ça. My hat! It is not your hat. Hmm? It is my hat. It is my. Well, this isn't your hat either. Excuse me. I have your hat. Oh, it is your hat. You like it? Splendid. Good. Splendid. Good night. Wait.
Ah, c'est vous. Je ne vous dérange pas? Non, éteignez, éteignez! Oui, mais alors, écoutez, je ne vois plus rien. C'est ce qu'il faut! Où êtes-vous? Là, sous la lampe. Ah. Non, sous la lampe. Ah, ah oui. Sous la lampe, voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ce costume-là? Ah, je me suis habillé pour aller voir vos merveilleuses fondations. Oh, c'est curieux, on a eu la même idée. Mais alors, je viens de découvrir quelque chose de pas très catholique. Qu'est-ce que vous avez vu? Figurez-vous qu'il y a un bougre d'imbécile qui a creusé un trou dans mon propre trou. Un trou? Un trou. Où ça? Dans mon propre trou. Et puis pas un petit trou, hein? Oh, un énorme trou. C'est bien simple, on pourrait y faire tenir un bonhomme allongé dedans. Qu'est-ce que vous dites? Mais... Oh, mais qui c'est? Ah, ça, je me le demande. Ou alors peut-être un de vos ouvriers pour se distraire? Pour se distraire. En attendant, j'ai passé un quart d'heure pour le reboucher, le trou. Vous avez rebouché le trou? Oui, j'ai rebouché le trou. Mais pourquoi vous avez rebouché le trou? Mais parce que j'ai rebouché le trou. Mais quel trou vous avez rebouché? Le trou qu'il a fait. Où? Dans mon propre trou. Mais fallait pas reboucher, j'ai jamais dit de reboucher le trou. Si, et en attendant, hein, il a laissé la pelle dehors pour qu'elle puisse se rouiller. Moi, je la ramène, la pelle. Hein, pas, non, non, la pelle, c'est mon instrument de travail, ouais. Non. Excusez-moi, non, monsieur Bricard. J'ai besoin de ramener. Bonsoir, monsieur Bricard. Oh! Comment? À la Gloriette! Ah, ils sont charmants tous les deux! À notre amour! Oui, mon chéri! Votre mari respire le bonheur! C'est à cause de la Gloriette, je cherchais quoi à lui offrir pour son anniversaire, et voilà! Et ça m'a fait encore plus plaisir qu'une cravate! C'est très joli, ce kiosque! Je veux dire qu'ils ont beaucoup de goût! Dis donc, c'est toi qui as enlevé le rideau de la douche? Comment? Le rideau de la douche, c'est toi qui l'as enlevé? Ah non! Ah non! Bah alors, où il est? Ah oui! Qu'est-ce que t'en as fait? Oui. Ah ben je l'ai donné. Tu l'as donné? À qui? Ben je l'ai donné. Je l'ai donné à un pauvre. À un pauvre? Il y a un pauvre, il était là, il est passé, mais il n'y a pas des vieux vêtements chauds. Mais, chaud? Et tu lui as donné le rideau de la douche? Le rideau de la douche. Alors, comme il pleuvait. Oui. Alors je me suis dit. Tu t'es dit quoi? Ben, je me suis dit. Qu'est-ce que tu t'es dit? Je devrais peut-être lui servir d'imperméable. Et je l'ai mis sur la tête, il est parti en claudiquant par là-bas. Oh! Qu'est-ce que tu racontes? Vive la Gloriette! Où est-ce ma boîte? What do you mean? C'est tout? Madame! Oui! Les Espagnols sont prêts à entrer en piste! Ouh! C'est une attraction formidable, tu vas voir! Oh, dis donc! Attention, bon sang! Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monsieur qui demande monsieur. Comment? Il y a un monsieur qui demande monsieur. Pardon? Non, par là. Monsieur. Inspecteur Ducrot, police judiciaire. Mathilde, voulez-vous apporter une coupe de champagne pour monsieur l'inspecteur? Non, merci, je ne bois jamais pendant le travail. L'original, ce kiosque. Ah, c'est... Ça, c'est il vient du Puy-de-Dôme. Il vient du Puy-de-Dôme et ça s'appelle pas un kiosque, on l'appelle une gloriette. Ah. Vous voulez me parler? Oui. Connaissez-vous monsieur Jo? Monsieur Jo. Excusez-moi un petit monsieur. Oui. Non, monsieur Jo. Je ne sais pas où chercher. Je cherche, mais... Oui, ben cherchez mieux. Ah, prendrez bien une petite coupe, monsieur l'inspecteur. Merci. C'est votre femme de chambre? Oui.
Monsieur l'inspecteur Ducrot de la police judiciaire. Et oui, de la police, c'est ça de drôle. Non, mais c'est... parce que c'est comme l'autre soir. L'autre soir, qu'est-ce qui s'est passé l'autre soir? Mais j'ai rien passé du tout, j'ai rien passé. Elle est allée au cinéma, puis c'est fini. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu? James Bond. Et avec lui, j'ai moins peur que quand c'est monsieur qui tue quelqu'un avec son revolver. Allez, votre cinéma, allez. Allez, votre cinéma. Vous avez tué quelqu'un? Oui. Non, pas complètement, j'ai fait semblant. Je suis en train d'écrire une pièce policière, alors vous savez, il m'arrive fréquemment de faire venir un ami qui me joue la scène, alors comme ça je peux juger de l'effet de la scène, voilà. Ah, monsieur Brisbane, vous aviez raison, ce n'est pas ma pelle, c'est la vôtre. Mais je pense ce n'est pas la mienne, c'est la vôtre. Mais qu'est-ce que j'ai fait de cette pelle? Et puis, je voulais vous voir au sujet de ce trou. Quel trou? Mais il n'y a pas de trou, que je veux dire, il n'y a pas de trou. C'est monsieur l'inspecteur du compte de la police judiciaire. Oh, inspecteur, non, laissez-moi passer. Écoutez, monsieur l'inspecteur, je n'arrive pas à savoir qui a creusé ce trou. Ah, vous voyez bien qu'il y a un trou. Mais non, il n'y a pas de trou, c'est lui qui se trompe de trou. Il a un chantier plein de trous, c'est même pas dans quel trou il est. Enfin, il n'y a pas de trou. Alors, tenez, venez voir, regardez. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Regardez, c'est pas beau, ça. Oh, je vois ce bel édifice et ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Non, qu'est-ce qu'il y a dessous? Si, il y a le sol de la France. Ah, vive la France, voilà. Vive la France. Vive la France, vive. Et puis vive le kiosque. Vive le kiosque. Vive le kiosque. Et vive le Puy-de-Dôme. Vive le Puy-de-Dôme. Et vive la bête. Je voulais me dire. Vous permettez. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Oh, excusez-moi. Alors là, j'ai un trou. Je vais vous dire au revoir. Oh, ben, je vais vous donner une belle pelle, tiens. Voilà. Hop, c'est inspecteur. C'est du provisoire, j'ai voulu vous rendre service pour la réception. Préparez-moi ça tout de suite. Je suis là demain matin. Ah, moi je suis. Je suis là demain matin. Oh, monsieur l'inspecteur. Monsieur Brisbane. Si nous en venions, monsieur Jo. Monsieur comment? Monsieur Jo. Ah, parfaitement. Parfait, baby. Dites donc, je peux m'asseoir? Je vous en prie, monsieur l'inspecteur, je vous en prie. Merci, monsieur l'inspecteur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, prenez ma place, vous serez mieux. Vous êtes bien maintenant? Très bien. Bon. Très bien. Il se passe une chose étrange. Laquelle, monsieur l'inspecteur? Figurez-vous que monsieur Jo était un maître chanteur. Non. Si. Oh! Et nous avons retrouvé chez lui une liste des gens qu'il faisait chanter. Non. Si. Oh. Et si je suis là, c'est parce que vous êtes sur cette liste. Moi? Vous. Non. Si. Oh. Alors j'ai pensé tout naturellement qu'il avait essayé de vous contacter. Ah, pas tutu. Dis-moi, Antoine, le cadavre. Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce que le cadavre? Mais laissez-le aller. Non, mais je crois que j'ai trouvé un très bon moyen pour faire disparaître le cadavre. Il y a un cadavre? Il n'y a pas de cadavre. Il n'y a pas de cadavre. Il y a du champagne, mais il n'y a pas de cadavre. Non, mais écoute. Il n'y a pas de champagne. Comment dire? Écoute, moi, je crois que c'était une très bonne idée. Bon, très bien, alors. Qui est-ce? C'est Maître Collat, mon avocat. Il connaît rien au théâtre. C'est votre avocat? Eh bien, si vous voulez ne pas avoir besoin de ses services, vous feriez bien de m'expliquer pourquoi vous êtes sur la liste de M. Jo. C'est un simple interrogatoire de routine. Hein? Pour l'instant.
Vous me promettez de ne rien dire à ma femme? Non. J'ai rien compris. Non, je voulais vous dire en d'autres termes que ma femme est la fille de Granudin. C'est pas possible. Granudin, le... Granudin, le bandit qui a... En 46. En 45. 46. En 45. 46. 45. En 46, je connais mon métier. Mais dedans, c'est autre. Je dis, si votre femme est la fille de Granudin, si le public le sait, pour sa carrière et aussi pour la vôtre... Mais d'autant plus que les Granudin n'ont pas resté là, parce que clac, 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 plusieurs personnes. Eh oui, quatre. Ah non, cinq. Non, quatre. Non, cinq. Cinq, vous oubliez le chef de gare. Ah oui, c'est vrai. Et alors, il y a quelques années, un horrible voyou, mais vous savez, un horrible voyou, a essayé de faire peur à Sylvie en la menaçant de dévoiler toute son identité. Voilà. Monsieur l'inspecteur, tous les noms des personnes qui figurent sur la liste de Monsieur Jo ne seront jamais publiés dans les journaux. Ah non, non, ils resteront secrets. Ah bah tant mieux. Tous sauf un. Lequel? Celui de l'assassin. Mais l'assassin de qui? Ah, je vous ai pas dit. Monsieur Jo a été assassiné la nuit dernière. Comment? Ben, si je vous dis qu'il a été assassiné, c'est que j'en ai la preuve. La preuve? Vous avez la preuve, j'ai la preuve. Vous n'avez pas de preuve. Mais si, puisqu'on l'a retrouvé avec une balle de 6.35 dans le corps. Mais où? Sur la carpette, les bras en croix. Enfin, je ne suis pas ici. Ah non, c'est chez lui, à Bagnolet. À Bagnolet? Oui, il habite à Bagnolet. Au revoir, monsieur Brudevard. Et rassurez-vous, je m'y connais en assassin, vous n'avez pas le physique d'un emploi. Alors ça, qui est-ce que j'ai mis à plus fourrer sur le kiosque? Eh bien, Antoine, tout le monde te cherche, nos invités s'en vont. Ah, au fait, tu n'as pas vu Edouard? Edouard? Ben oui, c'est bizarre, parce qu'il m'avait dit qu'il passerait te voir un de ces soirs. Tu devrais l'empêcher de travailler la nuit. Oh, Edouard, Edouard, mon bon copain. J'ai mis mon meilleur copain sous un kiosque. Rien de plus affreux. Allô? Qui est à Paris? C'est toi? T'en es bien sûr? Non, mais c'est bien toi, personnellement, qui me parle dans le téléphone. Ah, oh, tu peux pas savoir le plaisir que j'ai à t'entendre articuler aussi distinctement. Oui, voilà, c'est Adrien qui m'a dit que tu pensais venir nous voir. Et on t'a pas vu, voilà. As-tu un accident de voiture? Oh, bah, tant mieux. Ta voiture est complètement démolie. Oh, ça, c'est pas... ça, c'est très bien. Il est dans les vignes. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Son mari a quitté le domicile conjugal. Oh, le domicile conjugal? Oh. Et depuis quand? Oh, depuis mardi soir. Mardi soir? Oh, oui. Mais vous savoir où il est? Ah non, mais je l'ai retrouvé. Il l'ai fait prendre en flagrant délit d'adultère. Mais quand? Oh, hier soir. Quand? Hier soir! Ah ben alors ça va très bien. Hein? Ah, ça va très bien. Enfin, quoi tu le saches? Bijard, Bijard. Quoi, Bijard? Qu'est-ce qu'il est devenu, Bijard? Ben, il est mort il y a deux ans, Bijard. Alors, ça, ça va très bien. Hein? Non, écoute, décidément, ton mari a un sens de l'humour assez particulier, mais j'aime mieux m'en aller. Allô, tata? C'est toi, Toine. Comment va tonton? C'est toi, Toine. T'entends toujours pas mieux, hein? Tu entends toujours pas mieux. Tonton est couché avec 42 fièvres? Ah, pas tant mieux. Oui, merci, je ne quitte pas. Te dérange pas pour moi, je me sens... Tu embrasseras tout le monde pour moi. Oui. Caroline, dans votre famille, cet an dernier, vous n'avez pas été disparu? Vous n'êtes pas au courant? Quoi? Bah, Théophile. Bah, qu'est-ce qu'il a, Théophile? Il y aura bientôt 3 mois.
Oh, ben alors c'est pas grave. Non, enfin, écoutez, vous, écoutez, à 93 ans, vous pouvez quand même pas espérer faire de vieux os, non? Bon, allez, au revoir, Caroline. Mais qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Vous avez pas l'air dans votre assiette. Si, je suis dans mon assiette, les deux pieds dedans. Croyez-moi, dans les deux pieds dedans, une grande assiette. Non, je vous assure. Mais non, je l'ai pas vu. Mais non, il n'est pas venu. Qui est-ce? C'est la femme du plombier. Elle avait demandé à un de ses ouvriers de passer mardi soir après son travail. Elle voulait savoir s'il était venu. Oh. Antoine, qu'est-ce qui t'arrive, Antoine? Mon Dieu, mon chéri. On va raccompagner Caroline. Mais elle est partie. Non, je viens de l'entendre tomber, là. Ce soir, je te mets au lit à 9h avec cette aspirine. C'est ce qui pouvait m'arriver de plus horrible. Oh, un brave ouvrier plombier venu faire des heures supplémentaires pour nourrir sa famille. Oh. Allô, ma bouillée? C'est M. Brisbane. L'ouvrier plombier qui devait réparer la tuyauterie. Oui, il avait des enfants? 6! Oh, c'est plus qu'abominable. Oui. Vous en êtes sûr? Il n'a pas pu venir. Ah, oh, il est à côté de vous. Madame Bouillet, embrassez-le pour moi. Mais fort, la gueule de 3 fois, là. Hein, allez, et je vous embrasse aussi, Madame Bouillet. Oh, Madame Bouillet. Hein? Non, je vais très bien. Je vous assure, j'ai... Hey, on va baiser Madame Bouillet. Mais alors, qui est-ce que j'ai bien pu foutre sous le kiosque? C'est moi! Oh, monsieur Brisbane, une nouvelle sensationnelle. Vous savez cette chose bizarre que vous avez fait mettre dans votre jardin? Oui. Eh bien, les gradaires trouvent ça splendide. Les gradaires? Oui, les gradaires, tutut. Oui. Ils sont prêts à donner 20 millions de plus. Et ça fait combien en tout, ça? 90 millions. Adjugé! Hé, madame Brisbane! Madame Brisbane! Oh. Sylvie, viens ici tout de suite! Vous allez voir si je suis un mari qui se laisse mener par le bout du nez, moi. Sylvie, ici! Je viens de vendre la maison, 90 millions, et c'est pas la peine de discuter. Clac! Oh, c'est merveilleux, mon chéri! Oh. Encore un petit tour. Oui, mon chéri. Tu discutes pas? Pourquoi je discuterais? Je suis folle de joie. Monsieur Grindier a même préparé un chèque de 200 000 francs à titre d'option. Oh, 20 millions! Moi, je vais chercher une bouteille de champagne. 20 millions de plus! Grâce au kiosque. Oh, d'ailleurs, je vais vous faire une confidence à propos de ce kiosque. Moi, je le trouve affreux. Je le déteste. Confidence pour confidence, les Grindier aussi. Ah bon? Ils donnent 20 millions pour le faire démolir. Oh. Dites-moi, je voudrais que votre mari me signe ce petit papier, oui, pour la maison. Bon, mais certainement. Puis d'ailleurs, vous savez, je m'ennuie un petit peu à la campagne. Oh, mon ange, il y a une chose que Mme Cramuzel n'avait pas osé t'avouer. Ah, non, ne lui dis pas. Mais qu'est-ce que ça peut faire maintenant, puisque la maison est vendue? Ah, bon, allez. C'est une bonne nouvelle. Figure-toi que les Grindaires ont l'intention de faire sauter la gloriette à la dynamite. Oh. Et à la place, ils vont faire creuser une piscine. Oui. Allez, bois. Non. Bois, il faut que tu dormes. Non, j'ai besoin de réfléchir. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut te faire que les Grindaires démolissent la gloriette? Ça me fait beaucoup, ça me fait énormément. Voilà. Tu voulais vendre, tu ne veux plus? Tu bois ou tu bois pas? Je ne bois pas. Parfait. Bonne nuit. Bonsoir, ma biche. Bonsoir, ma biche. Bonsoir, ma biche.
Besoin d'un coup de main? Où il est? Qui ça? Drury. Mais je connais pas Drury, moi. C'est la bonne. Voilà, maintenant, perdons pas le temps. Où est le corps? Le corps de qui? Si nous tenons tellement à retrouver notre ami Riri, c'est qu'il a emporté avec lui la bagatelle de 42 millions, qu'il serait vraiment dommage de laisser perdre. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Nous avions raccompagné notre cher camarade l'autre soir. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons attendu son retour toute la nuit. D'ici là, à conclure qu'il a été dans l'impossibilité de repartir de chez vous. Allez, à cette baratin, le duc. Alors, allons-y, grand Louis. Alors, qu'est-ce que t'as fait, Drury? Aïe! 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 Ah! Allez, viens! Il a toujours eu du mal à lâcher le fric. Oh! Hé! Hé! Le compte y est! Pardon d'avoir douté de votre honnêteté, monsieur Brisbane! Et merci, Pourriri, d'avoir fait travailler à notre place! Mais vous allez l'emmener! Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Mais moi, puisque je vous le donne, je vous en fais cadeau! Sortez-moi de là, mon Dieu, sortez-moi de là! Merci, mon Dieu! La statue! Oh. La nuit sur le canapé? Eh ben oui! Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est, une statue? Je vois bien, mais... Je suis amusé à la faire cette nuit, voilà. Allô, est-ce que je pourrais parler au docteur Poussin, s'il vous plaît? Tu te sens pas bien? C'est pour toi! Tu raccroches, je me sens très bien. Raccroche ça. Raccroche ça tout de suite. Je me sens très bien. Allons. Je me sens très bien. Antoine, je suis très inquiète à ton sujet. Sylvie, il y a une chose dont je ne t'ai jamais parlé. Oui. J'ai toujours eu envie de faire de la sculpture. Voilà. Oh, bon. Mais elle n'est pas jolie. Quoi? Mais la statue, bon sang. Si, si, elle est très jolie. C'est vrai? Ma petite Sylvie, tu viens de me faire le plus grand plaisir. Ah. Désormais, cette statue ne nous quittera plus. Et nous la mettrons dans notre futur salon. Oh. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manie? Vouloir me faire voir un méchant. Antoine, enfin, bon sang, j'ai bien le droit de faire des statues tout de même. Oh, mais bien sûr, mon chéri. Je ne suis pas le premier à faire des statues. Mais bien sûr, mon chéri. D'autres l'ont fait avant moi. Mais c'est sûr, mon chéri. Tu n'as pas la prétention d'envoyer chez le docteur tous ceux qui font des statues. Mais non, mon chéri. Voilà. Et moi, je l'aime beaucoup, cette statue. Voilà, tiens, là. Oh, et ben voilà. Mais Michel-Ange Rodin, ils ont pas vu des statues, hein? Ils ne distribuaient pas, que je sache, leur rideau de douche à des inconnus. Ça y est, je la tiens, ta pièce. C'est une coïncidence extraordinaire. Dis-moi, finalement, ton histoire de chantage, eh ben, c'est l'histoire de Monsieur Jo. Oui, ben, je le sais, ça. Comment, tu as lu l'article? Non, je n'ai pas lu. Aïe! Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est le portrait de ma grand-mère maternelle, voilà. Le portrait de ta... Enfin, vous n'allez pas garder ça dans le salon? Si, on va garder ça dans le salon, voilà. C'est ma grand-mère maternelle, je vais garder ma grand-mère maternelle, bon. Voilà. Bon. Enfin, j'ai le droit de la maternelle. Mais oui, bien sûr. Je vais m'habiller. Bon, alors, excuse-moi, il faut que... Ah non, pardon, excuse-moi, non, mais j'ai compris. Non, mais justement, j'ai affaire. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Monsieur Jo? Mais je pense que c'est d'une banalité, et en plus que c'est un fait divers, comme on peut en lire tous les jours, voilà. Alors ça, je ne crois pas, sinon l'inspecteur Ducrot ne serait pas sur le coup. Mais l'inspecteur Ducrot, c'est pas un ténor, hein, c'est pas un ténor. Qui, Ducrot? Bah, il arrête tous les coupables. Ducrot, c'est une musculature, voilà. Il a de ça, puis là, ça... Non, mais Ducrot?
C'est un type remarquable. Enfin, moi, je le connais mieux que toi. Nous sommes allés à l'école ensemble. Et on se tutoie avec Ducrot. Moi, je lui dis tu, moi. Salut, Antoine, comment vas-tu? Monsieur l'inspecteur, on ne vous attendait pas. Et qu'est-ce qui se passe? On se tutoie plus? Mais si. Eh ben alors? Comment va voir? Comment vas-toi? Comment vas-tu? Ah, à la bonne heure. Depuis le temps qu'on se connaît. Monsieur. 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 Collat. Maître Collat, avocat à la cour d'assises. T'as déjà choisi un avocat? Chanté. Chanté. Inspecteur Ducrot. Vous savez que notre ami Antoine se met à écrire des pièces policières? Sacré Antoine. Tu te souviens quand on était tout petit? Je sais qui a tué Monsieur Jo. Moi aussi. Comment toi aussi? Et puis je compte. Non, je m'en. Moi, je disais, je me souviens, quand on était tout petits, on était des petits bambins. Des bambins. Qu'est-ce, oh. Qu'est-ce qu'on va boire quelque chose? Hein? Parce qu'il ne faut pas boire. Comment? Hein? On va quoi? On va boire, mais non, on va boire. Je vais chercher de la boire. Ça, il paraît que c'est sa grand-mère. Ah, c'est ma grand-mère, quand elle avait 15 ou 16 ans. Madame Brisebard. Mes hommages, madame. Monsieur l'inspecteur Ducrot de la police judiciaire. La police, pourquoi? Oh non, rassurez-vous, madame, je passais seulement dans la région, alors j'ai pensé, pourquoi n'irais-je pas dire bonjour à mon vieux copain Antoine? Excusez-nous. Pardon. Je suis de plus en plus inquiète. Mais pourquoi? Au sujet d'Antoine, tu n'as rien remarqué? Non, enfin, il est peut-être un peu nerveux en ce moment. Un peu? Non, mais tu le connais, ça a toujours été un grand nerveux. Au nom d'un chien, regarde ton kiosque. Oui, c'est l'orage. Elle est tombée. Oh, monsieur Tonelotti, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça devait durer 200 ans, ça n'a pas tenu deux jours. J'avais donné la parole de Tonelotti, je suis déshonoré. Mais non, alors, alors, calmez-vous, venez. Venez, on va vous faire boire un petit verre, hein? Vous allez aller beaucoup mieux. Oh, ça va couler. Venez. Allez, ça allez. Va couler. Voilà, ça va aller. Là. Asseyez-vous. Voilà. Mais non, allez, allez, allez. Vous n'êtes guère compréhensif, monsieur Brisebard. Asseyez-vous. Pourquoi me faire des cachotteries? Entre amis d'enfance. Maître Collat me faisait croire qu'il connaissait quelqu'un de très célèbre. Et alors, j'ai voulu lui faire croire à mon tour que je connaissais quelqu'un d'encore plus célèbre. Moi? Oui. Merci. Parce que vous êtes très célèbre. Tout le monde parle de vous. C'est un très bon inspecteur. Très fin, très élégant aussi. Très aimable. D'ailleurs, entre gens qui inventent des histoires, quoi de plus naturel, n'est-ce pas? Bon. Asseyez-vous. Puisque vous aimez les histoires, vous allez me dire ce que vous pensez de celle-là. Il était une fois un monsieur respectable qui s'était mis imprudemment à la merci d'un mauvais garçon. Disons Joe, pour simplifier. Qui? Joe. Riri. Qui? Riri. Un autre mauvais garçon était l'associé de Joe. Et il faisait souvent des encaissements pour celui-ci. Tiens. Et alors? Après avoir tué Joe, Riri prend l'argent. Il voit le carnet indiquant le rendez-vous. Et il vient chez le monsieur respectable arrondir son magot avant de disparaître. Sans doute est-il armé. Notre bonhomme prend peur, il tire et il le tue. C'est ainsi que Riri se fait descendre à la place de Joe.
Et il ne reste plus à notre monsieur respectable qu'à faire disparaître le corps en se demandant qui il a bien pu tuer. Bravo! Oh, bravo, inspecteur! Tu devrais remercier l'inspecteur, c'est un excellent sujet pour sa pièce, ça! Mais si, c'est ça ton sujet, tu le cherchais, c'est ça! Et c'est un merveilleux rôle pour moi, vous allez voir. Mais tiens, non, regarde, mais non! Mais si! Je arrive. La nuit. Je tire, il tombe. Et le lendemain, j'apprends que j'ai pas tué le bon. Mais qui ai-je tué, grand Dieu? Mais qui ai-je tué? Alors je téléphone à tous mes amis, à la famille, tu sais, comme tu faisais hier soir. Allô truc, allô machin, allô chose. Et puis il y a le corps qu'il faut faire disparaître. Et... Qu'est-ce qu'elle a? Je vais être papa! Bon, ben, allez chercher un verre d'eau. Alors, chef, qu'est-ce qu'on fait? Fouiller le jardin, surtout autour du kiosque. Où il y a un cadavre pas loin d'ici, où je suis un imbécile. Oui, patron. Quoi? C'est aussi mon avis. Hein? Que vous êtes sûrement dans le vrai. Bon. Bois. Bois. C'est pour quand? C'est pour quand quoi? Ben, le bébé! Je sais pas, moi, 6 mois, 8 mois, 12 mois. Hein? On n'est pas pressé. Bon. Bon, ben, je reviens. Ah, monsieur Brisbard, monsieur Brisbard, les grains d'air sont là. Alors, vous vendez ou vous vendez pas? Oui, alors, qu'ils achètent et vite, 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 et vite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est ma grand-mère maternelle, voilà. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle fait, ça? C'est moi! Toi, toi, pourquoi tu m'avais caché tout ça? Hein? Écoute, je vais tout te raconter. Oui. Y a rien, patron. Alors, je suis un imbécile. Oui, oh là, yes. Et voilà. Mon chéri, tu m'aimes d'antan. Maintenant, on fera face ensemble. Tu vas voir comment je vais te jouer ça. Je dérange? Hein? J'ai un mot à dire à votre mari, vous permettez? Par ici, par ici. Tenez, faites attention. Vous allez voir ma maison est charmante. Ici, la salle à manger. Communique avec la salle de séjour. Vous voyez, c'est délicieux, c'est vraiment... Quelle chaleur! Non, je trouvais qu'il faisait plutôt frais. C'est la grand-mère de monsieur Brisbard. Vous connaissez sa charmante épouse. So glad, monsieur Grander. Darling! Je me demande si je vais pas me mettre en maillot. Bon, assez joué. Vous avez aidé votre mari à faire disparaître le corps, c'est bien ça? Quel corps? Alors cessez de vous foutre de moi, tous les deux, hein? Vous l'avez fait dissoudre dans de l'acide sulfurique. On peut? Bon, la musique va changer. Plumerel! Patron! Allez me chercher Andrieux! Andrieux! Je suis là, patron! Amenez-moi Plumerel! Plumerel! Andrieux! Plumerel! Andrieux! Il est là, patron! Bon. Voilà le plombier! Eh ben, accompagnez ce monsieur dans la salle de bain. Oui. Si vous voulez bien me suivre. Ainsi, comme vous le voyez, tout un fait ici au calme et à l'équilibre. Tenez, passez par là, vous avez la cuisine. Sylvie! Oh, Sylvie, ma chérie! Oui, ma chérie. Oh. Ton mari n'est toujours pas revenu. Non, bon, mais c'est pas le moment. Allez, viens par ici. Mais c'est une gare, ici! Ah, dites-moi, madame Brisbard, vous faites ôter les restes de la Gloriette, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Bon, regardez, c'est très solide. Vous pouvez mettre des planches. De la cave au grenier, vous m'entendez? De la cave au grenier! Si nous ne trouvons rien, je vous ferai des excuses. Mais nous trouverons! On commence à craquer, hein? Il y a quelqu'un? Il y a du monde! Il y a quelqu'un? Monsieur, il y a un paquet recommandé pour madame Brisbard. Oh.
Voilà. Hein? Voilà. C'est fini, ce gros chat. Si, c'est fini. Non. Toi, Anne. Oui, mais c'est pas le moment, toi. Bon, attends-moi là. Non. Attends-moi là. Non. Veux-tu m'attendre là? Non. Je ne veux pas. Allez, viens m'aider. Viens m'aider! Veux-tu venir m'aider? Veux-tu venir ici? Toi, Twan! Toi, Twan, mon nom! Tu vas venir, oui! Tu crois que je vais faire ça toute seule? Allez, viens! Allez, aide-moi! Enlève les ciments, vite! Allez, un, deux, trois! Bah, recule-toi! Recule-toi, je te dis! Mais il est lourd! Hein? Non, ça va pas. Dans l'autre sens. Tourne! Tourne! Aïe! Toi, toi, tu t'es pas fait mal, mon chéri. Oh, bah, il est trop long. Non. Mets les pieds dedans. Hein? Mets les pieds dedans! Mais pas toi! Ça! Qu'est-ce qu'il est lourd, ce qu'on a? Oh, il y a la tête dans ta chemise. Non. Je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il y a comme bouton? Oh non. Donne-moi une chambre, c'est pas le moment. Vous avez les chambres. Allez, vite, vite. Là, la salle. Antoine, viens. Viens ici. Écoute. Comme ça. T'entends? Va tire. Pousse. Allons voir les chambres. Va me chercher une scie. Vite. La buanderie est fermée. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Eh ben, la clé, vite! Mais la clé est dans la cuisine. Qu'est-ce qui est arrivé à votre grand-mère? Elle est morte. Antoine! Viens ici. Viens, Antoine. Nom de la... Viens t'habiller. Habille-toi. Alors. Hein?
Allez, bebez, bon, on boit. Oh non. Pas ouvrir. Non, à la porte. Pas ouvrir. Monsieur. Bonjour, monsieur. Non, mais... Belle journée, n'est-ce pas? Pardon. Non, mais tu... Je sais que vous êtes souvent importuné par les représentants de commerce. Oh. C'est un métier que j'aurais pas aimé faire. Je suis moi-même retraité des services publics. Perception des contributions directes. C'est vous dire que j'ai pas l'habitude de faire ce qu'on appelle vulgairement du barata. Une simple démonstration suffira d'ailleurs à vous convaincre. Antoine! Oui! Je vous dérange? Oui! Non, mais je vous demande que quelques secondes d'attention. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Antoine! Voilà. J'ai comme client la comtesse de la Faille, les Duplan-Richard. Antoine! Oui! Ne nous affolons pas. Ouvre l'horloge. L'horloge. Vite. Je ne vois pas. Oh, vite. Je t'en prie. La pousse. Oh là 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 là. Au feu. Au feu. Au feu. Au feu. Dans la nouvelle pièce de monsieur. Enlevez-moi ce Minus. Allez, par ici. Inspecteur, venez par ici, inspecteur. Venez, j'achète ton avis. Mettez-moi en pure. Please, all right. Oh, merci beaucoup. La moindre des choses. Brise-bas. Minute, one minute. Brise-bas, où êtes-vous, nom de Dieu? Où est votre mari? Il est sûrement quelque part. Comment fait-il ça? Les fées se sont penchées sur son berceau. Les fées ou le diable? Mais vous perdez votre temps. Moi, j'ai la tête sur les épaules. Et je vois clair. Je crois que votre femme vous réclame. Your wife. Ma foi. Oui. Oh, good. Mille fois. Tiens, je trouve. Enfin. Voyez-vous que nous visitions la cave? J'ai l'impression que c'est déjà fait. Buanderie! Dans la buanderie! Mais je raconte pas de Françoise, hein! Oui. À bientôt! Anne perdue, les deux retrouvés! Monsieur! Nous partons! Paris, sans contraint que c'est pas le corps de Riri. Allez! Tout ça, mais alors jamais. Antoine, tu regrettes de m'avoir donné une si grande preuve d'amour.
Alors ça, elle est immense. Et je me demande même si elle va tenir dans la malle. Eh ben, vois ça. Moi, je vais téléphoner à une agence de voyage. Pour où? Oh, je sais pas, moi, pour Tahiti. Y a rien pour Tahiti avant 3 semaines. Ah, mais est-ce qu'on s'en va pas jusque-là? Demain, après-demain. Singapour après-demain, parfait. Dites-moi, combien font les fenêtres des cabines de pont? 40 cm, ça irait? De haut ou de large? De haut, je crois. 50 cm, au moins, au moins! Bon, 50. Je vous demande une fenêtre qui fasse 50. Vous devez bien pouvoir me trouver ça. Où est votre mari? Asseyez-vous, je vous en prie, je vais aller le chercher. Trouvez-le-moi. Mais qu'est-ce que vous lui voulez encore? D'abord, est-ce que vous avez un mandat de perquisition? Maintenant, oui! Ah, vous partez en voyage, hein? On se fait la malle! Oh. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, rien, c'est... Mais... On n'a plus la clé, mon mari la cherche. Ah, voyons. Voudrait bien. Hé là, hé là! Il est là, patron! Qu'est-ce que vous faites là-dedans? J'écris ma pièce. Bah, et elle, qu'est-ce qu'elle a? Oh, ça doit être le bébé. Il lui faut pas d'émotion, monsieur l'inspecteur, voilà. C'est pour ça que vous vous cachez dans les malles? Voilà. Allez, assez de comédie, tous les deux. On a retrouvé le grand Louis à 10 km d'ici, avec une balle de 6.35 dans la tempe. Nous ne connaissons pas ce monsieur. En tout cas, ça veut dire que Riri lui a réglé son compte avant de venir chez vous. Alors, vous n'avez toujours pas vu Riri? Écoutez, ayez pitié d'un pauvre inspecteur, mon père. Non, ayez pitié d'un futur père, mon bon inspecteur. Oui, on n'en tirera pas plus. Plumerel, à vous les étages. Andrieux, restez dans la voiture au cas où il y aurait du nouveau. Moi, je commence par la cave. Vous avez sûrement une chaudière? Ah ben non, à cause des dents en or, on veut pas. Comment? Vous êtes chez vous, ici. Oui, figurez-vous. Du nerf, mon amour, du nerf. Il faut absolument sortir d'ici. Allez, alors. Non, 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 pas non, on n'a pas le temps. Tout à l'heure. Je ne peux plus. Écoute, comme ça, il faut sortir d'ici. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Jamais de moutarde sur le salami. C'est un crime. La clé! Je vais la chercher. Alors, mon bonhomme, hein? Maintenant, moins à l'étroit que tout à l'heure dans la pendule, hein? C'est fini les plaisanteries? Pauvre Riri, il devait pas se douter qu'il se ferait buter par des dingues. Sortez de là-dedans. Mais il peut pas! Oh. Sortez de là-dedans, Brisbane! Patron, la gendarmerie téléphone, il y a du nouveau. La camionnette de Tenelotti est dans le fond du jardin. Hop! Bon, ben bougez pas, j'arrive. Bon, alors? Ben, on a retrouvé le duc à 30 km d'ici. Sa bagnole a percuté un platane. À l'intérieur, il y avait la serviette de Riri et 32 briques. Bon, alors, je présume... Ben, présumez rien, puis foutez-moi la paix. Toutes mes excuses. Oui, c'était un règlement de compte classique entre truands. Riri a été piégé en venant chez vous, et le plus malin a gardé l'argent.
Quant au corps de Riri, ben, nous draguerons les étangs du voisinage à tout hasard, parce que pour un professionnel, c'est facile de faire disparaître un cadavre. Mais enfin, pour un professionnel seulement. Oui. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile. Non, c'est le 14. Non, le 14, c'est les télégrammes. Mais les pompiers, alors. Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune. Et dire que tu as failli te décourager. Et tout de Lucky, la malle. Oh, ma malle! Monsieur Penelotti, où est ma malle? Ma malle! Vraiment, vous voulez pas boire quelque chose? Non, non, merci, jamais dans le service. Bon, ben alors... C'est ça. Ah! Monsieur Brisbard? Oui. Madame Brisbard? Oui. Cette malle est bien à vous? Ah non, je crois pas. Mais si, je ne crois pas, elle était pas. Mais si, elle est à vous, venez voir. Ah non. Alors, regardez, c'est bien à vous. C'est bien votre nom, ça, qui a marqué. Ah, ben oui, oui, oui. Alors, elle était tombée sur la... Elle avait chu sur la route. Alors, nous nous sommes permis de vous la rapporter. Oh, si on peut plus se fier au transporteur maintenant, où allons-nous? Ah, ça, madame. Enfin, heureux d'avoir pu vous rendre service, chère madame. Mes hommages. Parce que je suis un grand admirateur. Ah. Un grand fervent de votre talent. Malheureusement, je ne vais pas souvent au théâtre. Hélas, les places sont chères. Désormais, vos places seront réservées à tous mes spectacles. Oh, madame, madame. Allons, chef. On s'en va. Ah ben, chef. Ouf. Je vais enfin pouvoir aller à ma répétition. Mais lui, il a une lui qui est là-dedans. Qu'est-ce qu'on va en faire? Tu as tout le temps d'y penser. Tu as tellement d'imagination.